Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un colis d'une abonnée qui s'appelle Marie. D'ailleurs, il faut qu'elle me donne absolument son Instagram. Si tu passes par la Marie, que je puisse t'identifier quand je ferai des looks et tout. Elle m'a envoyé un petit colis, j'ai pas pu l'empêcher. J'ai regardé hier, j'avais trop envie. Et il y a des trucs, il y a déjà un truc que je vais offrir à ma copine Jamila parce que je sais que c'est sa passion. Et il y a des trucs qui vont me servir pour faire un look, notamment... Bon, je vous ai préparé le look. De toute façon, je vous ferai un short. Vous savez, comme je fais d'habitude avec comme vêtement. Et après, je me mets en condition. Et je ferai des photos pour Instagram aussi, évidemment. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Alors, elle m'a envoyé déjà une jolie petite carte. Je les garde toutes, vos cartes. Hein, je vous l'ai déjà dit. Coucou ma Barbie. J'ai fait un peu de tri et oui, j'ai pensé à toi. J'espère que ce tout petit colis te fera plaisir et tu nous feras un super look. Oh, j'espère que ça te plaira. Je te souhaite le meilleur. Je te suis depuis au moins 6 ans et je t'adore. Marie, ton abonné de Marseille, hashtag cagole, parce que moi, je dis toujours ça, les cagoles de Marseille. C'est pas méchant. Hein. Ne prenez pas mal les amis marseillais, sinon je vais perdre des abonnés. Donc, je garde la carte, bien sûr. Alors, première chose, elle m'a mis, c'est ça pour ma copine Jamila, parce que je sais qu'elle est fan de ce genre de foulard. Enfin, si tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr. C'est un joli petit foulard Manita Grace. Je ne sais pas si vous voyez le... Vous voyez le nom, là? Ouais. Donc, ça, c'est génial. Ma copine, je sais qu'elle les adore, ces foulards-là. Ah non, hein? Parce que tout est ouvert ici, vous savez, tout le temps. Et il est super doux en plus. Donc franchement, nickel. Nickel, tu vas faire... Une heureuse. Alors là, j'ai vu ça. J'ai compris tout de suite que ça, c'était cangole. Parce que je reconnais le style. J'en ai un rouge, j'en ai un noir. C'est les bérets cangole à l'ancienne. Vous savez, alors, on les mettait comme ça dans les années 90. Mais tu peux aussi les porter comme ça, style casquette gavroche, tu vois, un petit peu. Enfin non, c'est même pas gavroche ça, style casquette. Donc ça, j'adore. Cangole, vous savez, j'en avais acheté sur Vinted exprès, une rouge, une noire. Et vous les voyez souvent dans mes looks parce que j'aime beaucoup et c'est difficile à retrouver maintenant. Ou alors, assez cher. Et c'est ça qui va me servir pour faire un look. Alors, je vais le brosser un petit peu. La dernière fois, il y a une abonnée, c'est marrant, elle m'a envoyé le même en noir. Et je crois qu'il y a une abonnée qui m'a envoyé le même en bleu marine. Et là, c'est en bordeaux. Et c'est ça qui va me servir à faire mon look aujourd'hui. Donc, j'ai déjà fait un petit make-up, bien sûr. Et j'aime trop ces casquettes de marin. Je les adore. En plus, avec le petit... il y a des petites peluches, mais c'est pas grave. Et ça, c'est pour le look du jour. Donc, bah, tu verras, Marie, tu verras. J'espère que ça te plaira. Il y a une petite boîte, j'ai fait ça. Donc, je sais qu'il y a des trucs dedans. Good vibes. En plus, les petites boîtes comme ça, ça sert toujours au moins pour mes envois ou mes trucs comme ça. Très 70s, la boîte. Hein. Alors, attends. Ah, elle résiste. Qu'est-ce qu'elle a mis? Oh, cool. Oh, mais non, mais trop fort. Des bougies, mais vous allez voir quand vous allez voir les bougies. Oh, mais elles sont trop belles, je peux même pas les brûler. Regardez-moi ça, un petit croissant et une petite tasse. Oh non, c'est trop mignon. Oh bah, je vais faire une photo avec, tiens. Parce que là, j'étais en train de faire des photos pour ma journée en photo que je vous fais régulièrement sur Instagram. Et ça fera petit déj. Oh, trop cool, je sais pas si elles sentent, mais oh, ça m'embête de brûler ça, elles sont trop belles. Oh, vous connaissez ma passion des bougies. D'ailleurs, il y en a une qui brûle là actuellement, bah, comme toujours, hein, vous me direz. C'est la Yankee Candle Baby Powder. Vous voyez comment je les utilise, elles brûlent toute la journée. Elles sentent super bon et c'est pour ça que je les achète sur Vinted, parce que vu la cadence à laquelle elles partent, si je les achète en magasin, je te dis pas. Et alors là, j'ai vu et j'ai compris tout de suite aussi. Pierre 4. Oh my god! Ça, je garde puisque vous savez que je suis hyper fan de Pierre Cardin. Et le truc, c'est qu'on peut faire ça aussi l'été. Et moi, je me verrais bien faire une petite tendance comme ça, tu vois. Je sais que c'est pas la tendance, mais je m'en fous. J'aime bien. En plus, là, ça va bien avec mes fringues, tiens. Et vraiment, oh, mais c'est trop stylé. Tu peux le porter comme ça.
Tu peux faire une queue et le mettre autour de ta queue. Tu peux le mettre autour d'un sac. Oh, il est trop beau. Ils sont vintage, j'adore. Wow, je croyais que c'était un... Ah non, je l'ai vu de loin, mais moi, je croyais que c'était un... C'est bon, je viens de comprendre. En plus, c'est vintage. Je croyais que c'était un cache-cou, une écharpe. Et non, c'est une jupe. En plus, elle est vintage. Donc 44, ce qui correspondrait aujourd'hui à un 42. Oh, en plus, c'est les jupes que j'aime bien porter. Alors, attends. Attends que je trouve. Parce que c'est normalement des jupes qui sont portefeuilles. Donc, attends. Il y a quelque chose normalement. Elle ne se porte pas comme ça. Elle doit se porter comme ça normalement. Si je ne m'abuse. Oui, bah oui. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Il y a un bouton là. Il y a un bouton là. Ouais, donc vous voyez le 44 d'antan. On va dire 42-40. Hein. Oh, mais ça, c'est trop stylé. Ah, mais alors attends, du coup, est-ce que je change. Est-ce que je voulais mettre une jupe? Mais est-ce que je change la jupe pour mettre celle-là pour mon look? Ah! Et je peux même rajouter ici, en plus, j'ai une épingle à nourrice, tu sais, pour faire vraiment kilt, quoi. En plus, la taille est parfaite. Et la marque, c'est une super marque, je la connais. J'ai déjà acheté en recyclerie, c'est Stefanel, Made in Italy. Oh, elle est trop belle. Ah, j'ai vraiment cru que c'était une écharpe. J'ai pas fait gaffe. Bon, alors ça, en plus, avec ça peut être du tonnerre. Alors, attends, là, du coup, j'avais préparé une jupe pour mon look d'aujourd'hui. Je vais peut-être intervertir. On va voir. Elle m'a mis aussi. Wow, t'as pas blagué. En plus, taille 1, c'est ma taille. Oh, c'est un... Je crois que c'est une robe. Toi, je crois que j'ai bien regardé. Ça fait un petit peu rétro, années 70, je trouve. Il y aurait un col roulé, alors là, on serait typique dans les années 70. Attends, c'est quoi la matière? Pour voir si je vais la supporter. Ne me dites pas que c'est 100% viscose. Ne me dites pas que c'est 100% viscose. J'en ai même pas trouvé, dit. Fabriqué en Bulgarie, d'accord. La Maritsa, c'est ma rivière. Comme la Seine et la Tchène. Bah, je sais pas, j'arrive pas à trouver. Bon, peu importe, en tout cas, top, top, top. Ah oui, bah oui, là, je vais faire des super looks, ça, tu peux en être sûr. La matière, elle est épaisse. Oh, mage, mais ça coûte un bras, t'es folle. Mais du coup, même ça et ça, quoi. En fait, tu m'as tout mis pour faire un look, quoi. Parce que tout ce que j'ai là, ça peut faire un seul look. Ah. Bon, on se revoit après de toute façon. Et en plus, je suis trop contente parce qu'elle m'a mis deux livres pour finir. Alors, vous savez que je suis fan de Stephen King. Je ne les lis pas parce qu'ils sont trop longs, mais je les collectionne. Et si ça saigne, je ne l'avais pas. Donc, je suis bien contente. J'en ai quelques-uns dans mes livres là. Donc... Mais je ne les lis pas, c'est vrai, parce que je les trouve toujours très longs. Et je me décourage en fait. De toute façon, en ce moment, je ne lis plus du tout. Et elle m'a mis ça. Par contre, ça, je sais que ça va être hyper pratique et hyper rapide à lire. Et c'est très bien. C'est sur l'ancienne femme de Sarko, si je ne m'abuse. Hein, Cécilia, oui, c'est Cécilia Sarkozy, ça. Et ça m'intéresse toujours parce que je vous ai toujours dit que j'aimais bien tout ce qui était autobiographie. Donc, elle a vraiment, vraiment, vraiment écouté tout ce que je dis dans mes vidéos, quoi. Oh, mais je suis trop contente. Bon, bah, en tout cas, franchement, je te remercie, Marie. Est-ce que tu peux me donner ton Instagram, s'il te plaît? Ou, je sais pas, je sais pas, t'identifier quelque part que je puisse déjà m'abonner à toi si je ne suis pas abonnée. Parce que je ne suis pas tous mes abonnés, j'essaye, mais je suis limitée à 7000 abonnements et je crois que j'en ai déjà presque 7000 ou 8000 abonnements. On est limité en nombre d'abonnements, en fait. Donc, mais les abonnés récurrents, en principe, je m'abonne à eux. Donc, bah écoute, franchement, je te remercie. Tout est trop cute. Alors, tu dis tout petit colis, mais franchement, moi, je le trouve super. Donc, ça, ce sera pour ma copine si ça ne te dérange pas. Tu me dis, hein. J'espère que ça ne te dérange pas. J'aime bien partager. Moi, tu me connais. Bon, bah, je pense que toi aussi, vu que tu m'envoies ça. Et bah voilà, bah, je suis trop contente. Je crois que j'allais me faire mon look direct. Ah ouais. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et bah, plein de bonnes choses. Ciao, ciao. J'ai du vernis sur les dents. Si. Et vous me dites rien.